Ah pareil, notre map où mes pièges se voient à 10 000 km. Allez. Eh bien, on va faire un contrôle de territoire. Ok. Ça, c'est ok. Là, ça se voit. Un café nommé Désir. Très bien ça. On va mettre ça plutôt là. Ok. Alors ça, il faut que je mine l'intérieur. Ok. Je casse aussi cette loupe. 1. Palette. Ok. C'est quoi ce move? J'ai pas hyper bien compris ce move. Ça, par exemple, typiquement, ce qui vient d'arriver. Eh bien, moi, à la place du joueur, j'aurais le sel. Donc, je serais un peu blasé. Parce qu'il était encore sur la palette. Et la hitbox contrôlée fait que, évidemment, c'est avantagé pour le tueur. Là, par contre, c'est un peu moche pour eux. Oh, ok. Franchement, c'est pour ça que je te regarde, souvent dans l'ombre. J'aime beaucoup ta mentalité sur les différents jeux, et notamment DBT. Tu joues le jeu sans jamais te plaindre. Que ce soit en tueur ou en survivant, c'est rafraîchissant sur DBT. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir à entendre, à lire. Parce que c'est aussi le... Comment dirais-je, le leitmotiv de se dire que qu'il faut pas être salé pour être salé. Ça n'a pas de sens. On peut jouer le sel, mais ça n'apporte pas plus. C'est aussi à moi d'être meilleur joueur. Il y a des joueurs qui sont très bons. Il y a aussi des joueurs qui sont très très bons et qui, en plus d'être bons, ont une mentalité un peu dégueu. Ok. Et là... Non. Ah. Bah par contre des œufs. Hein. Bon, on est sorti là. Ok. Bon, j'espère qu'il y a la DS. Là, par contre, désolé. Hein. Yamaras, merci pour le raid. Voilà. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Ça, c'est la DS. On va récupérer le piège qui est là. Un café nommé Désir. Y a quelqu'un là en face ou comment ça se passe? Oh non, mais pourquoi juste tu t'en vas pas en fait hein? La pauvre. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Merci Amaras pour le raid. J'espère que tout va bien pour toi et que ton live s'est bien passé. Deux compétences uniques. La deuxième, c'est laquelle? La première, c'est DS, mais la deuxième, c'est laquelle? Ok. C'est bon, ils m'ont cassé mon groove de l'empereur là. J'avais un troisième gêné qui était pas loin. Ok.
J'ai quoi là? Ici. C'est chaud. C'est chaud, hein. Mais. Ouais, il y a une vraie réflexion de fond. Est-ce que on doit tryhard au point de tunnel, camp ou quoi? Je sais pas que ça. Ouais, ça laisse un peu songeur. Hein. Ok. Ça laisse un peu songeur. Les dardes! Ah. Le bon calcul du dédard. Très bon calcul du dédard. Il n'y a pas de gêné, il n'y a pas de plaisir. Salut le body. Et vous vite. Ça c'est agréable. Ça c'est agréable. Je crois qu'il y en a un autre là. Hein. Ok. Ok. Ça va être ton moment, Billy. Ok. Est-ce que inquiétant à retourner le truc? Je vais amener la barre. Très bien. Ils sont tous blessés. L'autre est à gauche. Petit retournement de game, hein. Pas désagréable. Ok, toi tu m'as emmené loin. Emmené très très loin. Et vous voyez, j'ai pas campé, j'ai même pas tunnel. Même pas tunnel, même pas campé, rien du tout. Rien de tout ça. Ah, hop là. Ah, ça laisse songeur, ça laisse songeur. Ok. Palette. Très bien. Quelqu'un est là. Va me faire tomber. La palette sur le nez. Oh, attends. On a un petit retournement de situation, là. Non, pas moi qui l'ai posé, celui-là. Ah. Désolé. Ça va être un peu triste pour toi. Ok. Ok, très bien. Je pense que maintenant faut tunnel camp. Non, je suis pas d'accord. Ça laisse évidemment songeur. Hein. Bien sûr. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas. Pour le coup, je préfère être vraiment meilleur joueur que meilleur campeur. Ou que meilleur tuneler. Après, évidemment, en fin de game. L'étau se resserre. Ah. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça. On va aller par là-bas. Ok. Si on a 3 kills à ce stade-là, on va aller en face. Alors, Bill. Oh, citrouille. Le but, c'est d'incarner le chasseur. Oui, tu peux aussi te dire que le but, c'est d'être tellement terrible que tu campes, en fait. Enfin, l'objectif. L'autre va être aidé. Non? Ouais, je laisse libérer si l'autre le libère, mais... Trop complexe. Oh, bien vu. Là, par contre...
Ils sont tous en P3. Hein. Est-ce que ça va suffire? T'as un dédard, non? Je suis navré, mais... Ok, l'autre est parti. Sans l'aider. C'est triste. J'ai été hyper fair play. J'ai eu des vraies réflexions de fond sur est-ce qu'il faudrait pas. Je reste sur le fait d'être meilleur joueur, meilleur en tout, et pas meilleur campeur. Ah, c'est de la facilité. On a eu un 3 sur 4, avec un dernier qui était en P3. Ah mon gars, zéro regret. Très bonne game. Belle leçon d'humilité.